continue. Donc nous sommes sur le côté. Donc on en sera en face. Je continuerai à faire l'exercice complet tout à l'heure. Mais je me mets bien sur le côté pour montrer le mouvement. Alors, on va, avec la respiration, passer du centre, arrière 1, arrière 2. On va inspirer au centre. Expire 1. Expire 2. Parce que les pieds se soulèvent légèrement du sol. On revient. Inspire. Expire 1. Expire 2. Inspire. Expire 1. Expire 2. Maintenant, je recommence tout le système à partir d'ici. Donc, on se pose dans le centre. Alors, l'enfant. On ramène ensuite le corps sur un pied. Inspire, expire, pose. Centre, pose. Gauche, pose. Centre, pose. Gauche, pose. Droite, pose. Centre, pose. Gauche, pose. On fait ça une quinzaine de fois. Ensuite, on fait le mouvement avant, arrière. Alors, inspire, expire, expire 2. On revient. Inspire, expire 1, expire 2. On se met sur les talons comme ça, on a vraiment tout l'avant des pieds qui va pousser vers l'avant pour se maintenir. Donc l'ancrage devient beaucoup plus fort. Voilà, une fois qu'on aura fait ça encore une bonne quinzaine de fois, alors là on va faire une combinaison complète de tous les mouvements qu'on a fait. Dans un ordre complètement aléatoire, c'est pas grave. Mais on va faire tous les mouvements. Donc on va passer toujours par le centre. Alors centre, droite, centre, pause, arrière 1, pause, gauche, pause, centre, pause, droite, pause, arrière 2, arrière 1, centre, arrière 2, droite, gauche, centre, arrière 1, centre, arrière 2, centre, droite, arrière 2, arrière 1, droite, arrière 1, arrière 2, droite, gauche, centre, arrière 1, centre, droite, centre, arrière 1, gauche, droite, gauche, centre, arrière 2, gauche. On va faire toutes les combinaisons qui sont possibles. C'est pas important combien on fait de combinaisons. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite danse. Et qu'on va faire le petit. Oh là là, attention de ne pas tomber. C'est pour ça qu'on doit avoir un mur derrière au cas où on perd d'équilibre. Donc on va faire une petite danse. On va passer par tout le monde. Tiens, le mouvement de l'enfant en même temps. Et puis on va faire ce mouvement. Quand on aura fait ça, on aura fait notre exercice d'ancrage. Donc c'est un exercice qu'on ancrage qu'on peut faire n'importe où. On peut faire ça pendant qu'on est en train de faire la vaisselle, pendant qu'on est en train de balayer, pendant qu'on est en train d'attendre le bus, pendant qu'on est devant notre ordinateur. C'est une pensée, c'est une façon d'être. Une fois qu'on va avoir pris l'habitude de s'ancrer, l'ancrage va se faire automatiquement et on sera ancré tout le temps et n'importe où. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt.